Bonjour à tous et bienvenue sur la 7ème vidéo de notre aventure au Cambodge. C'est notre dernière journée à Batang Mang aujourd'hui. On a le scooter donc on va pouvoir sortir un peu de la ville, découvrir plein de choses. On a envie de vraiment découvrir aujourd'hui, on a envie de visiter le maximum de choses parce que hier et avant-hier, c'est vrai qu'on n'a pas fait tant de choses que ça touristiques. On a fêté le nouvel an avant-hier. Hier ça a été une journée assez tranquille. Aujourd'hui on veut découvrir quand même des choses à Batang Mang avant de repartir parce qu'on repart demain. D'ailleurs il faut qu'on prenne un ticket de bus pour repartir de Batang Mang et aller vers notre nouvelle direction. On vous dit pas, vous essaierez de trouver en commentaire où on va demain. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on va éviter de prendre le ticket de bus sur internet parce que vu ce qui nous est arrivé à Phnom Penh, on s'est dit que maintenant on va prendre directement en agence et comme ça on est sûr de pouvoir partir demain. Donc il faudra qu'on trouve une agence, qu'on prenne un ticket de bus. Mais là, on commence la journée par aller manger. C'est toujours comme ça. On va se trouver un petit resto, on va vous montrer ce qu'on va manger. Donc à tout de suite. Et juste, il fait encore une fois très chaud, il fait 38 degrés, franchement, il fait très chaud. Bref, on va manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On s'est trouvé un petit resto avec Marion. Là, on est sur la terrasse du resto. Il y a l'intérieur qui est juste là. Et avec Marion, on s'est pris déjà chacun un petit verre de jus de fruits de la passion. Parce que franchement, on adore ça, vraiment. Alors, moi, ce que je me suis pris, une assiette avec, je vais vous montrer, c'est du bœuf dans un petit bouillon avec des carottes, avec des oignons, avec des champignons et plein de petites herbes et ça donne trop envie. J'ai pris ça avec du riz et Marion elle s'est pris des petits nems végétariens faits maison qui donnent super envie aussi hein, ouais, franchement. Donc on mange ça, on se retrouve après, à tout à l'heure. On a fini de manger, maintenant on va aller acheter nos tickets de bus pour pouvoir repartir demain et ensuite la journée visite pourra commencer. Les tickets de bus, c'est fait maintenant, c'est parti pour la journée visite. On prend le scooter qui est juste là et on va se perdre dans la campagne pour vous montrer plein de choses aujourd'hui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, avec le scooter, on s'est rendu à une quinzaine de kilomètres de Batang Mang sur une montagne qui est assez particulière parce qu'il faut savoir qu'au Cambodge, il y a quelques dizaines d'années, il y a eu des atrocités qui se sont passées dans ce pays. Il y a eu un régime politique qui a commis des crimes qui a décimé toute une partie de la population. Il y a des centaines de milliers de Cambodgiens qui sont morts pendant cette époque au Cambodge. C'est le régime politique des Khmers Rouges de l'époque qui a vraiment commis un génocide ici au Cambodge. Et là, on est sur une montagne particulière parce que c'est un lieu où il s'est passé à l'époque des atrocités ici, où on a tué des gens ici, et aujourd'hui c'est un lieu où les gens viennent pour voir ce qui s'est passé à l'époque, pour ne pas oublier, c'est un lieu particulier, on va vous filmer tout ça, ça va être assez intense je pense de voir tout ça, mais on voulait le faire parce que c'est vrai que voilà, le Cambodge il a subi pas mal de choses au siècle dernier, au 20e siècle, et c'est vrai qu'on avait envie aussi de voir des lieux comme ça qui en parlaient et on pouvait voir vraiment ce qui s'était passé et comprendre aussi les choses. Donc on va vous montrer tout ça. Là on est dans la montagne et on est à un endroit qui s'appelle le Killing Cave, donc la grotte pour tuer quoi en fait. On va vous montrer tout ça, on sait pas trop à quoi s'attendre non plus, on n'a pas vraiment trop regardé, on s'est juste rendu sur le lieu et on visite, on découvre en même temps que vous, donc on va vous montrer tout ça. À tout de suite. À tout de suite.
On vient de ressortir de la grotte qui est appelée la Killing Cave, la grotte de la mort. Et donc voilà, c'était les Khmers Rouges, le régime politique de l'époque qui tuait des centaines de milliers de Cambodgiens. Le lieu où on est actuellement, c'est un des lieux où les Khmers Rouges tuaient leurs victimes. Et là, on était dans la grotte, on a vu des cadavres, on a vu des os, on a vu des ossements, on a vu des crânes qui datent voilà, de l'époque où les Cambodgiens ont été massacrés. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs grottes ici sur cette montagne où des Cambodgiens ont été tués. Il y avait des grottes pour enterrer pour stocker les cadavres. Il y avait des grottes où voilà, ils mettaient leurs victimes en haut de la grotte et ils les poussaient pour qu'ils meurent en tombant. C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. On est sorti là de la grotte, là on est sur un petit observatoire, on a une vue magnifique devant nous. Donc là on est sur une montagne hein, près de Battambang et voilà la vue qu'on a devant nous. Il y a des montagnes en fond, le soleil qui est juste au-dessus. Et c'est très vert, beaucoup de palmiers. C'est vraiment extrêmement joli. Apparemment il y a un point d'observation qui est un petit peu plus haut. On va reprendre le scooter, on va continuer de se balader, on vous montre tout ça. A tout de suite. Arrivé au sommet de la montagne, on est arrivé au point de vue, voici ce qu'on voit devant nous. On a une superbe vue depuis le haut de la montagne, c'est vraiment très très joli, très très vert.
On voit des petits temples, des petites maisons. C'est le Cambodge rural, ça fait plaisir. Et c'est marrant parce que là, on est arrivé donc en haut de la montagne et tout le long du chemin qu'on a fait en scooter, on a vu pas mal de petits singes un petit peu partout. On en a vu pas mal sur le trajet. Et là, il y en a plein qui sont vraiment au sommet de la montagne. Et c'est marrant parce que ça faisait vraiment un bout de temps qu'on n'en avait pas vu des singes. Je crois qu'au Vietnam, on n'en avait pas vu du tout, je crois. En Thaïlande, on avait dû voir juste au tout début. On en avait vu plus en Malaisie. Et donc, ça fait bien un mois, voire deux mois qu'on n'a pas vu de singes. Donc, c'est marrant de les revoir. Ces petits êtres bien fourbes les singes, très malins. Bon, on va continuer notre chemin parce que j'ai l'impression qu'il y a un temple qui est dans les environs, je crois, sur la montagne. Et là, en tout cas, il y a très joli bâtiment ici. On va continuer vers là-bas. J'ai cru voir la toiture d'un temple, donc on va se balader, on va vous montrer tout ça. À tout de suite. Dépêché de descendre de la montagne parce qu'on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Je vous montre, en fait,
Au pied de la montagne, il y a une grotte qui s'appelle la grotte des chauves-souris. On vous a filmé là sur les plans d'avant, vous avez pu voir. Et il y a des centaines de milliers, et je pense ne pas me tromper en disant des millions, mais vraiment des millions de chauves-souris qui sortent de cette grotte et qui prennent leur envol. Là, je ne sais absolument pas où elles vont, mais voilà, tous les soirs apparemment, elles quittent cette grotte qui est au pied de la montagne. Et elles s'en vont, il y en a, ça fait, en vrai ça fait bien un quart d'heure. Ça fait bien un quart d'heure là qu'on est en train de filmer. Quand on est arrivé, on descendait la montagne, on était en scooter, c'est pour ça qu'au début on filmait un petit peu à l'arrache. Et on s'est dit mince, on a raté l'envol des chauves-souris, on est en train de le rater, on s'est dépêché d'arriver là. Et finalement ça fait 10-15 minutes qu'on est en train de filmer ça. Et ça ne s'arrête pas, il y a un nombre, mais vraiment dingue de chauves-souris qui sortent de cette grotte là. Je sais pas si on arrive bien à voir, mais alors il y en a mais des centaines de milliers. Mais vraiment, c'est hallucinant. Hallucinant tout ce qui sort. Et puis ça, bah voilà, on arrive à les suivre dans le ciel. Et depuis tout à l'heure, c'est ça. Il y en a partout. C'est dingue, vraiment dingue. Jamais vu ça de ma vie, vraiment. Alors là, c'est un des trucs les plus impressionnants qu'on a pu voir pendant ce voyage. Voilà, tous les soirs, il y a des chauves-souris, des millions de chauves-souris qui quittent cette grotte. Et voilà, c'est un lieu qui est assez dingue pour ça. Il y a plein de gens qui sont là quand même, hein, pour admirer le spectacle. Et beaucoup de locaux, hein, notamment. Franchement, c'est quelque chose de dingue, vraiment dingue. Il y a le coucher de soleil, là, on voit des belles couleurs là-bas au fond. Et voilà, bon, on vous laisse admirer le spectacle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde cet événement incroyable et on reprend le scooter et on ira manger ce soir dans la ville. Donc, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après ce magnifique spectacle, on a repris le scooter, on a repris la route et on a vu plein de chauves-souris partout. Et on s'est dépêché, on a essayé de trouver un endroit. Là, on est à moitié dans un champ, mais il y a un coucher de soleil en face de nous qui est incroyable. Vraiment des couleurs magnifiques et on voit encore plein de chauves-souris dans le ciel. On voit plein de petits points noirs partout et voilà le coucher de soleil qu'on a devant nous. On s'est dépêché parce qu'on pensait qu'on allait le rater. Mais comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique, caché derrière quelques nuages et des montagnes. Les couleurs du ciel sont incroyables. Vraiment, on s'est dépêché, mais on a réussi à trouver un lieu parfait pour ce coucher de soleil. Donc on est content, on voulait le voir ce coucher de soleil, on l'avait raté. Ça y est, on l'a eu, on a pu faire quelques photos. Un petit plan pour vous, pour que vous voyez à quoi il ressemble. Et bref, voilà, on va reprendre. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chauves-souris partout. Ça fait des groupes de points noirs dans le ciel. C'est hallucinant, il y en a partout du coup autour de la montagne. Bon, on profite du coucher de soleil, on reprend le scooter après. On va aller manger. À tout à l'heure. Juste avant d'aller manger, on est repassé par l'hôtel parce qu'on est allé récupérer les pistolets à eau. C'est vrai que on repart demain en bus et on va pas les récupérer avec nous dans les bagages. On avait complètement oublié, on voulait les redonner à des petits et on avait complètement zappé de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le scooter, on va aller se balader dans les alentours, on va voir s'il y a des petits, on va voir s'il y a des gens qui s'amusent et puis on leur laissera, on leur donnera parce que nous on va rien en faire, donc autant les donner à quelqu'un. Donc on reprend le scooter et puis on va essayer de donner ça à des petits qu'on trouve.
On a donné nos pistolets à eau à des petits enfants qu'on a trouvés sur la route. Ensuite, on est allé rendre notre scooter et là, on a commandé notre repas. Notre repas est arrivé, donc c'est parti pour le repas du soir. Alors, c'est très simple. Là, il y a eu des offres spéciales ce soir, donc du coup, on a pris les offres spéciales. En gros, si je prenais, donc voilà, je vais vous montrer quand même, j'ai pris deux tacos avec des petites tortillas. Et en gros, si je prenais ce plat, j'avais la bière offerte que j'ai fini en attendant le plat qu'il arrive pour 3,50$. Donc en gros, pour 3,50$, on a eu les deux tacos plus la bière. Et Marion, le plat qu'elle avait pris la dernière fois, parce qu'en fait, on est retourné dans le premier resto qu'on avait fait à Battambang. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et Marion a repris le même plat qu'elle avait pris le premier jour, sauf que là maintenant, elle a pris version poulet. Donc pour ceux qui savent, vous savez ce qu'elle avait pris, mais pour ceux qui tombent sur cette vidéo, elle avait pris des lentilles au curry avec du riz et là elle a pris la version avec le poulet. Pareil, c'était une offre et en gros ça te coûte 3$, c'est ça? Voilà, donc 3,50$ pour moi avec la bière, 3$ pour Marion. Et on a repris les boissons fruits de la passion qu'on avait pris le premier jour parce qu'elles étaient trop bonnes ces boissons. Donc on a repris ça. Bref, on mange ça, on se retrouve après. Bon appétit, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La journée est terminée, c'était notre dernière journée à Battambang. On a passé un très agréable séjour dans cette ville. C'est très sympa. Aussi parce que c'était le nouvel an et ouais, que bah forcément, avant-hier, on a vraiment passé une des journées les plus exceptionnelles de tout le voyage. Ouais, donc ça joue aussi sur le fait qu'on ait vraiment apprécié Battambang. Mais vraiment, les gens ont été hyper gentils ici. Il y avait plein d'enfants, il y avait plein de... Depuis le début du Cambodge, on a vu pas mal d'enfants dans les rues qui nous sourient, qui nous disent bonjour, qui sont sympas. Ouais, tout le monde était hyper gentil ici à Battambang. Grâce aux gens qui sont ici, on a pu donc voilà, passer une journée exceptionnelle pour le nouvel an. Parce que voilà, il y avait des locaux qui nous ont pris avec nous et qui nous ont emmenés un petit peu partout dans Battambang fêter la fête du nouvel an quoi. Donc vraiment on a passé un super moment. Aujourd'hui c'était une super journée aussi. Ouais. Franchement, les chauves-souris c'était quelque chose à voir. Hein, parce qu'après sur tout le trajet en scooter, on a vu encore plein de chauves-souris dans le ciel. Bref, c'était un très agréable séjour ici. C'était un très agréable séjour ici à Battambang. Bref, on se retrouve demain donc dans une nouvelle destination. Essayez de trouver en commentaire où est-ce qu'on va, on vous le dira donc demain. Bref, on se retrouve demain, donc on se dit à demain.